J'ai reçu cette délégation venue du Congo, Brazzaville, notre voisin le plus proche dans le monde entier, au nom de Son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Nous encourageons cette initiative dans la mesure où la coopération Sud-Sud permet à nos pays de tirer les leçons de la manière dont les systèmes éducatifs de nos pays respectifs sont en train d'être gérés. Nous tirons des valeurs ajoutées que nous pouvons exporter les uns vers d'autres pays et vice-versa. Et cela impacte positivement la qualité des apprentissages dans nos pays. Et je suis très content parce que cela s'inscrit dans le cadre de l'éducation comparée. La situation du préscolaire au Congo-Brazzaville n'est pas très loin de celle qui prévaut chez nous en République démocratique du Congo. Les établissements d'enseignement préscolaire sont plus nombreux dans les grandes villes et c'est principalement le secteur privé qui a le monopole de cet enseignement, qui est essentiel, qui est crucial pour la vie d'un enfant. Quand on voit, n'est-ce pas, l'impact positif que la préscolarisation a sur les parcours scolaires ultérieurs de chaque enfant et même sur leur carrière professionnelle. Donc les impressions sont très très bonnes et nous souhaitons que de telles expériences puissent continuer dans l'avenir.